Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour LudiWorld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite, mais alors toute petite livraison de chez Asmodée. J'ai reçu simplement 3 jeux avec du réassort de quelques autres produits, mais là je voulais juste vous faire voir les nouveautés que j'avais reçues. Donc pour démarrer, un petit jeu qui s'appelle Mon Voisin le Monstre. J'avais tardé à le commander, j'y croyais pas trop au début. Et puis j'ai regardé comment ça se jouait, j'ai trouvé ça bien sympa, je me le suis pris et je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. C'est un petit jeu japonais qui se joue très rapidement. C'est assez simple à jouer, on va distribuer des cartes à des joueurs. Parmi les joueurs, il va y avoir un monstre qui va se cacher. On va pouvoir essayer de débusquer ce monstre. Il va y avoir des cartes qui vont être échangées entre les joueurs. Donc on va pouvoir bluffer, on va pouvoir dire « mais non, je ne suis plus le monstre, c'est lui », etc. Donc le but du jeu, ça va être de masquer son identité secrète de monstre. Et si on n'est pas monstre, il va falloir essayer de débusquer qui est le monstre. On va pouvoir faire aussi des alliances avec le monstre, etc. Donc c'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme ça brièvement, mais je ferai une vidéo très rapide, vous allez voir, c'est assez simple. Alors je me suis pris donc ma boîte. Donc je vais vous faire voir sur la petite caméra, voilà. Donc la petite boîte de jeu, Mon Voisin Monstre. J'aime bien le graphisme, c'est sympathique. À l'intérieur, vous avez une règle du jeu qui est toute petite. Elle tient en 3 petits feuillets, c'est assez bien expliqué. Il y a une FAQ avec toutes les questions les plus fréquemment posées. Donc voilà, moi je l'ai lu en 5 minutes, c'est vraiment très très simple. Vous avez à l'intérieur des petites plaquettes qui vont vous servir à compter les points. Donc là, moi j'ai même pas encore retiré. Hop. Donc la partie se joue en 5 manches au total. C'est assez rapide. Et à l'intérieur, vous avez les cartes. Donc ça, c'est la carte pour dire qu'on est le premier joueur. La carte des monstres. Donc il y a 5 monstres parce qu'il va y avoir donc 5 manches. Voilà. Vous avez les cartes qui vous donnent un lien d'amitié avec le monstre. Vous avez les cartes chasseurs pour pouvoir chasser le monstre. Vous avez la carte chien qui permet de défausser le monstre. Vous avez des cachettes. Vous avez des cartes rumeurs. Vous avez ensuite des ragots. On peut faire du brouillard. Alors là, on va échanger plein de cartes entre les joueurs. C'est assez sympa. Il y a une carte arnaque, une carte accord et une carte enquête. Et pour terminer, villageois. Donc voilà, il y a très très peu de cartes différentes dans la boîte. Il y a très peu de cartes tout court de toute façon dans la boîte. Ça se joue, donc il y a une trentaine de cartes au total, si je ne me trompe pas. Il y a 38 cartes. 40 jetons, une règle de jeu, donc ça vaut pas bien cher, hein, ça vaut une dizaine d'euros. Et voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce jeu-là. Le deuxième petit jeu que j'ai reçu, ça s'appelle Sushigo, hop, de chez Cocktail Games, dans une petite boîte métallique. À ne pas confondre avec Sushi Draft, que j'ai reçu récemment. Tous les deux, ce sont des jeux de draft. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes en main, on va choisir une carte, faire tourner les cartes à son voisin de gauche, récupérer les cartes de son voisin de droite. Le principe entre les deux jeux est un petit peu similaire, mais ce sont vraiment deux jeux radicalement différents. Donc là, Sushigo, je me suis pris évidemment une boîte. La petite boîte métallique, hop hop hop. Très joli aussi, très sobre. Donc c'est un petit jeu voilà, qui est très simple, petit jeu apéro qui coûte pas bien cher. Je suis extrêmement fan de ce type de petit jeu. Vous avez une règle du jeu qui fait, je vous fais voir rapidement, quelques feuillets, mais voilà, c'est bourré d'exemples. Tempura, sashimi, ravioli, des baguettes, sushi et wasabi. Il y a quelques variantes. La fin du jeu, voilà, c'est très 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 rapide. Ça me donne faim. Hop. Alors, au niveau du design des cartes, vous avez des cartes ravioli. Hop, hop, hop. Vous avez plein de fois la même carte. Vous avez les baguettes japonaises. Vous avez quelques exemplaires également. Vous avez le sushi à l'omelette. Alors ça, c'est très, très bon. Vous avez quelques exemplaires. Vous avez des makis. Alors là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de makis à manger. Vous en avez des makis 1, vous avez des makis 2, des makis 3, et on s'arrête à 3. Hop, vous avez les desserts. Je n'aime pas les desserts, mais
ça a l'air appétissant. Vous avez encore sur le deuxième deck des autres desserts. Là, vous avez quoi? Sushi au saumon, les traditionnels. Là, c'est quoi? C'est des sashimi. Hop, hop, hop. On fait défiler. Vous avez sushi au calamar. C'est très, 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 très bon, ça. Vous avez les tempura, les beignets de crevettes frites. Et pour terminer, hop, du wasabi. Et normalement, oui, c'est tout. Donc c'est un petit jeu de draft. Je vous ferai également une vidéo sur ce jeu-là. Déjà, j'adore le draft. J'adore les petits jeux. Et quand ça parle de japonais, eh ben, c'est obligatoire que je ferai une vidéo. Hop. Je repose la caméra pour vous parler donc de la dernière sortie des Space Cowboys, à savoir Time Stories, la prophétie des dragons, qui est le nouveau scénario pour, j'allais dire le jeu de rôle, mais non, c'est pas un jeu de rôle, c'est pas vraiment un jeu de plateau non plus, pour Time Stories. Donc du coup, j'ai restocké la première extension, enfin le premier scénario, The Marcy Case, la boîte de base avec un scénario d'initiation dans un asile, donc dans la boîte de base, tout ça c'est de nouveau en stock, et la nouveauté, donc vous avez vu, j'en ai mis un petit peu partout, j'en ai reçu plusieurs. La nouveauté, la prophétie des dragons. Alors là, on s'écarte du monde contemporain qu'on avait pu connaître dans Asylum ou dans Marcy Case, que je n'ai toujours pas fait, Marcy Case. J'ai bientôt fini le scénario de la boîte de base, mais voilà. Alors là, ça se passe en 7553. Le Moyen-Âge n'est plus ce qu'il était. Explorer une autre réalité où la magie a tout changé. Alors, je me suis pris... Hop, ma boîte à moi, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler le scénario, tout simplement parce que je n'ai pas ouvert les decks et je ne les ouvrirai que lorsque je commencerai à jouer. Donc vous avez la fameuse boîte avec un revêtement imprimé brillant qui est très très joli, hein. Vraiment, ils ont pris une ligne blanche épurée qui est vraiment magnifique, je trouve, pour Time Stories. Et l'intérieur de la boîte, vous avez trois deck de cartes. C'est la première fois que le deck, je crois, va être en deux parties, enfin que le scénario va être en deux decks. Après, je sais pas si dans Marcy Case il était en deux decks, mais donc voilà l'indication: ne pas ouvrir avant d'être prêt à jouer. Donc je n'ouvrirai rien pour pas me gâcher et vous gâcher le plaisir. Ici, c'est quoi? Mystery, ne pas ouvrir tant que vous n'êtes pas invité à le faire. Très 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 énigmatique. J'ai vraiment envie d'ouvrir, ne serait-ce que pour regarder les personnages qu'on va pouvoir incarner dans cette histoire, pour vous faire voir un petit peu le design. Mais non, je le ferai pas. Je vous laisserai la surprise. Donc le scénario est disponible tout de suite maintenant sur le site. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo, soit de livraison, soit de règles du jeu, soit de je ne sais quoi, on verra. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut !